mongolisation. I wonder how. The forbidden rituals of this area. It looks like Mr. Takamine was doing research into it. I wonder if his group is still here. Oh putain. The fuck? Pas normal ça. Je suis en train de réfléchir, ça n'est pas moyen de passer les cinématiques genre en faisant en sorte que le tuto en faisant en sorte qu'il apparaisse pas, mais je crois pas au final. Il n'y a rien dans les menus des options.
Et voilà. C'est pas parfait, mais c'est bien. Oh, tout chaud de cette façon, c'est peut-être un gold. Vache. Monstrueux. Oh là là. C'est vraiment excellent ça. Ah oui, merde, j'ai oublié, oh putain. J'ai oublié de récupérer la... véhicule. Bon. On va dire qu'on va faire 100. Faut que je teste un truc d'ailleurs. Avec ce routing. Deux secondes perdues ici, bêtement.
Oh. Oh super. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je ne cesse de gagner du temps de façon assez incroyable sur la petite fille. Après je prends des risques, mais sans calcul. J'arrive plus à faire ce skip. C'est abusé. Je crois qu'en fait il faut pas que je cours. Enfin, ouais, je sais pas. Pourquoi je n'ai pas tout shot, mystère, mystère, mystère. J'avais deux photos chargées au maximum. Ok, si on attend trop longtemps, si. Oh, parfait. Oh, parfait. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais c'était étrange. Je sais pas pourquoi elle était en tier 0, mais ça m'a arrangé au final. Très bon. Du coup, il y a encore moyen de gratter un tout petit peu de temps ici sur le Glot, mais vraiment très peu.
Non. Portait tellement bien. Catastrophe. Dire que dans la catastrophe, je m'en sors plutôt pas mal. Surtout parce que je me finis proche d'ici. Quelque part, niveau déplacement, c'est plus ou moins petit, mais bon. Rapide. Quinze secondes de perdu. C'est affreux. Mais bon, j'ai gagné 33 secondes. C'est à peu près ce qu'il fallait que je gagne. Maintenant, ne pas perdre ce temps-là, ça va être plus dur. Vraiment fait bugger là le fantôme. Faudrait que je joue plus greedy en fait sur ce fantôme là. Que je sois attaqué sur la flex si jamais il m'attaque. Avec son attaque fourbe. Parce qu'il y a vraiment moyen ici de faire bugger assez facilement. De pouvoir enchaîner photo. Non. Pas grave. Je
Oh yeah. Beaucoup trop lent. Je vais perdre un taquet de temps ici. Oh là là. Oh là là, peut-être 10 secondes. Oh, c'est affreux. C'est affreux. Pas oublié de récupérer la pellicule ici. Par retour. Gauche 5 fois, droite 2 fois. Ils viennent d'où cet homme perdu?
rapide, mais une photo en trop. Très rapide, lol. Ok. Bon, j'ai pas oublié que spammer les photos c'est super risqué. Super risqué parce qu'elles sont limitées. Quand j'ai pas la pellicule rouge en trop plus. Encore une fois, j'ai trop de véhicules, mais c'est rapide. J'ai du temps à gratter, ouais, tout petit peu. Ne troll pas et tout devrait bien se passer. Très bien. Non. Ça prie.
J'oublie d'upgrade. Ouais, je crois que j'ai oublié d'upgrade. Ok, parfait. On se trompe pas, on va voir Yae. Coucou. Ah non, ainsi. Deuxième passage tricky. Non, c'est bon, elle est trop loin. Et salut, salut Joel. Ah merde, ça s'approche trop. Ok, c'était pas si mal.
Ok, ça marche, c'est Jules. Nos soucis. Là maintenant je vais pas récupérer la pellicule rouge parce que je l'ai déjà récupéré. Bah écoute ça va. Là, je suis sur une plutôt bonne run, c'est cool. Je teste des trucs, des petites variantes de... sur chacun de mes tests. Alors là on se trompe pas de chemin. Voilà, on va direction salle des masques. On essaie de faire apparaître. Oh parfait. Très bon timing. Là j'esquive une petite animation qui fait perdre 3-4 secondes. Le timing est pas forcément très sympa. Oh putain. Est-ce que je joue safe? Ouais. Là, ce soin, je suis pas obligé d'aller se chercher, mais vraiment trop just sinon niveau soin. Assez chaud. Faut pas trop utiliser de pellicule. Ouais, non, j'ai pas le choix. Ouais, il me faut ruiner. Ok, c'est bon. Ah, si je la bourrinais pas rapidement, elle allait se barrer et j'allais avoir des problèmes. Alors, les deux fights ici qui me font le plus peur. Ryuzo 1 et Ryuzo 2. Juste. Appuyer gauche 4 fois. Non, je te laisserai pas faire cette attaque de pute. Tant pis pour le temps perdu.
du temps. Wow. Oh, je vais essayer de choper là. Ok. Bam. On se fait choper. Pas très cool, mais à la limite, ça va. On a perdu trop de temps. Ah ouais, c'est beaucoup d'RNG ça. Mais il faut savoir la manipuler pour éviter un petit peu l'RNG et puis surtout faire avec et trouver les bonnes attaques à faire au bon moment. Hey Boto. World record is actually not me. Speed world. Another speedrunner. Really talentous. But you can check it on speedrun.com. Hop là. Alors maintenant Ryuzo 2. J'avais dit que je faisais un test, que je le faisais avec la pique rouge. Sinon, trop galère. Là, bientôt il y a le combat le plus redouté pour moi en tout cas. Ce qui peut se cacher, se téléporter en non-stop et oh là toi. Non. Vraiment le rush pour éviter problème. Parfait. Je perds quand même du temps abusé. Mais je perds du temps parce que j'ai dû aller une fois de plus sur le menu. Parce que même le menuing, faut vraiment faire gaffe à pas y aller trop souvent.
Alors, pas oublié de changer de pécule là. Oh non, déjà. Oh, c'est pas vrai! Dans le mur. Non! Putain! Elle a fait les pires trucs, les pires patterns. Le mudding. Ouais, c'est vrai, c'est pas évident. Ah oui, non, pas le spitz maintenant. Oh là là, je perds du temps encore. Bon, au final, ma variante est vraiment pas terrible. Parce que ça m'oblige à aller deux fois de plus dans le menu. Et effectivement, bah, c'est ce temps perdu, quoi. En plus, j'ai déjà utilisé des pellicules rouges alors que normalement j'étais pas censé. J'étais censé les utiliser sur un autre fantôme un peu vers la fin. Chose que je ne ferai pas. Du coup, bah, ce fantôme là par la suite il sera un petit peu plus long. Non! Ah! Alors là, l'arrivée des monstres, c'est complètement RNG. Ils peuvent juste t'effleurer ou alors te grab. Et te faire perdre potentiellement quelques secondes. C'est pas toujours facile ici de slalomer entre les fantômes. Alors, on passe au milieu parce que c'est plus court. Bon, il y a peut-être moyen de PB, mais World Record c'est mort. World Record c'est. Enfin, ouais, c'est in-game time donc je peux pas vraiment comparer. Alors, par contre, ici, le Cloud c'est un fantôme normalement plutôt simple et où j'ai pas mal de temps à gratter. Check combien de pellicules vertes il me reste pour savoir à quel point je peux bourriner. Alors, déjà faut le trouver. Une fois qu'on lui a mis la première shot, voilà. Normalement, il bouge plus trop. Il est simple. Normalement. Parfait. Monsieur, on dirait pas, mais il peut être vraiment très troll. Genre disparaître, réapparaître derrière ton dos, puis poum, disparaître derrière. C'est assez abusé. Hop là.
Alors, le maître. C'est bon. Donc on prend une photo, puis après on se dégage de là pour aller au centre de la pièce. Oh merde, j'ai raté. Il va disparaître. Bon, alors question de temps c'est excellent, question de véhicule, j'ai un peu trop me bourriner. Après c'est normal que je fasse des glodes, je fais des tests. C'est par là. Parfait. Là encore, j'ai fait un skip de 3-4 secondes. Hop là. Alors maintenant. Ok, 27 pellicules, ça va. On prend les 4 photos des 4 endroits des 4 prêtres avant de les affronter. Un peu trop bas. Non, c'est bon. Et on va les affronter. Alors sur mon PB, ce qui est bien, enfin bien, ça dépend, c'est que les prêtres, ils s'étaient vraiment tous très mal passés. Donc là, j'ai potentiellement du temps à gratter encore un peu. Mais les prêtres, ils se passent très souvent mal, de toute façon. Motivé. Ah.
Putain! Dernier shot. Ok. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Oh putain! Oh putain! Pas paniquer, pas stresser. Tout va bien. Oui, parfait, j'ai réussi à cancel la boule d'énergie. Oh putain! Parfait. Parfait, parfait. Je suis sur un World Record Pace. C'est complètement fou. Ok, on se calme. Alors, l'enfer. Là, je peux avoir un run killer potentiel. Qui est pur RNG. Ce qui fait que parfois, on combat deux fantômes au lieu d'un à la pièce suivante. Et si on combat deux fantômes à la fois, c'est vraiment catastrophique. On va espérer que non. Et c'est génial. Il n'y a pas le deuxième fantôme. Allez. Contre elle ou elle. Ah, elle est dans le mur. Ok. Allez! Bon, je prends pas de risque, je la mitraille, tant pis. Perdu pas mal de temps là-dessus. Alors, 1, 3, 4, 7, ok. Non. Oh non. Putain. Misclic. Alors ici. Normalement, il va plutôt bien à chaque fois. Il est trop loin. Chier. Oh! Ok. Il me reste combien de photos? 8. Ok, juste pour un mètre. Donc je repasse à la verte. Je repasse à la verte.
Alors, le quatrième prêtre. J'ai pas l'habitude de faire à la verte, vu que le verte qui est un peu moins puissante, un peu chiant, mais bon. Normalement celui-là je connais bien. Montre ta tête, montre ta tête. Putain, je suis obligé de le provoquer. Ça, j'aime pas. Ça fait perdre du temps. Allez. Fais. On va dire que c'est bon. Appuyer sur les quatre boutons. Non, pécule rouge. Pour la dernière fois. C'est bon. Oh, parfait. Non, merde. Ok, à la dernière photo, je l'ai eu. Très bien.
Très bien, très bien. Moi, j'ai plus trop de vie, mais ça devrait aller. J'ai encore ma pierre de réaction, si jamais. Non, on chope pas. Ok, super. Ok, il y a une derrière. Alors, pellicule verte. Parce que pellicule rouge, il n'y a plus rien. Oh putain, 8 photos. C'est vraiment limite au niveau photo. Quoique. Non, quoique. Récupérer un shot de pellicule verte en plus. Non, non, c'est bon. Allez, dernière ligne droite, on y croit. Sachant que le boss final, bon, je peux pas expliquer pourquoi, mais il sera plus facile que d'habitude. Pas dans le mur, c'est un fantôme. S'il te plaît, pas dans le mur. Oh
Ah, oh, parfait, j'ai un double shot. Très bien. Premier fantôme expédié, reste plus que le second qui est sur la gauche, je le vois. Pas s'affoler. Là, si les combats sont faciles, c'est normal, c'est parce que j'ai la pellicule la plus forte du jeu. Pellicule 0. Que je vais utiliser pour le boss. Là, il y a un dernier combat avant le boss, vite fait. Allez, on y va. Oh putain. Pas dans le meilleur, s'il te plaît. Récupère le truc et oui, world record. Enfin, c'est pas complètement sûr, faudrait que je regarde les game time, que je regarde de suite. Normalement, il n'y a aucun souci. Oui, putain. Le world record c'était de 1h16min04s et j'ai fait 1h15min28 in game time. Oh putain, je suis trop content! Tout enregistré? Oh là 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 là. Run fabuleuse, aucune erreur majeure. Mais vraiment aucune. Des tas de trucs s'en sont passés, mais super bien! 8 minutes 30 de world record alors que je galérais à gagner ne serait-ce que 30 secondes quoi. Putain! Je suis de retour sur le jeu. Oui! C'est génial. Ouais, t'as bien fait.